Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4 Separate Ways. Évidemment, installez-vous confortablement. Comme d'habitude, 4K, 60 FPS, un petit commentaire et un petit like. Voilà, ça mange pas de pain et ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on devait aller retourner vers la maison de Mendes. Évidemment, vous l'aurez compris. Petite dédicace à Joris, hein, Inglorious Jojo. Je pense que vous le connaissez tous. Parce que je sais que le frérot regarde la série. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça me permettra de savoir s'il regarde bien l'épisode 5 aussi à la maison. Bref, gros bisous à toi mon frérot. Et on est parti donc pour la suite. Let's fucking go. En espérant que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison, tout devrait bien se passer. Ne vous inquiétez pas, je contrôle, hop, déjà une petite galipette, ça commence très bien. L'intégralité de mes faits et gestes. Bon, ça on l'avait vidé, hein, si jamais. On avait aussi d'ailleurs vidé les trésors. Et là on était sur autre chose, un autre problème, vous l'aurez compris. Donc on va voir un petit peu. Allez, on est parti. Il pleut donc à pleine balle. Let's go. Ok. Alors, on connaît bien ce village, vous l'aurez compris. Étant donné que on a déjà fait deux, trois petits trucs par ici. Oh, on peut plus rentrer dans cette maison. Il y avait même un point de save ici, souvenez-vous. Waouh. Vous l'avez vu? Il y a une tête de fou. Il y a une... Adieu. Il va mourir. Oui. Il va mourir, c'était évident. Ah! Oh, waouh! Ok. Ça y est! Ça c'est fait, c'est géré. Non. Oh, waouh! Là, tu triches. Là, tu triches. Waouh! Superbe! Superbe ça, superbe ça! Ok, on continue. On continue. Hop, une petite herbe verte parce qu'on adore l'herbe. L'herbe, c'est la nature. Attention de ne pas dévier. Type de comportement là. Oh, waouh! Là, il n'y a plus rien à faire. FAR. On va. Le mec qui était sur le truc, il passait où le man? Attendez, lui, il m'intrigue le plus. Il est là? C'est bien un gars, non? Oh, waouh. Ok, ouais, c'est bien un gars. J'ai trop peur. Ok. Frère? J'ai pas pu one shot. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Les frères, lui là-haut là. Dans aucun monde j'ai pu le one shot, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer? Mais attendez, je veux ma réponse. Qu'est-ce qui... Attends, le pervers, là. Il fait quoi? Il est au parloir ou... Oh, waouh! Mais comment... Comment j'ai pu le one-shot? Normalement, c'est pas possible, hein, vraiment. Hein. Ah. Ok. Ah, s'il était tombé dans l'eau... Il aurait été sale, c'est ça? D'accord. Bon, j'ai été encore un génie. Sans vraiment m'en soucier. Ok, qu'est-ce qu'on va faire, les petits potes? Moi, je pense qu'on va fabriquer, les gars. On va se fabriquer un petit truc, ça va se faire plaisir. Ok. Bien, ça. Il n'y a plus rien. Ok, ok. Là, il n'y a plus rien non plus. Là, on ne peut pas rentrer. Faut savoir qu'ils ont bouché. Et en dessous, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché, oh! Si, il y a des trésors, là. What the fuck? What the fuck, what the fuck? Oh, c'est la maison. Trop bien. C'est le fameux passage à la maison où... Avec les fourches et C'est trop stylé. En vrai, est-ce que je peux l'aider? Il y a un monde où...
Ou je l'aide. Ok, un des trésors, mon petit saphir, on apprécie. Superbe. Superbe, mais... J'ai un autre problème. J'ai un autre problème, c'est que c'était pas par là. Donc comment faire? Peut-être par ici? Non. Par ici non plus. Comment faire? C'est moi qui suis fou? Ou c'est le monde qui est fou? Comment on peut faire? Eh ben, t'as vraiment la cote, Louis. Bon, attends, battez-vous les frères. Battez-vous. Je veux ce trésor. Je veux et je l'aurai. C'est pas possible. Il est censé être la dédaigne. Je ne comprends pas. Ou alors il est tout là-haut, mais non. J'essaye de localiser. Non. On va tenter une dernière fois d'aller là. Même si pour moi rien ne changera. Il n'y a pas un passage... A secret passage. Non, je suis désolé les amis. On a perdu quelques précieuses minutes, mais... Vraiment le doute... Ma bite. Ouais, désolé. Marcher en biais, le temps de désactiver le bouton. Bon. Waouh! C'était un gigante! Oh waouh! Comment ça? Désolé mon grand, mais toi tu vas rester là. Oh, il est énorme. Oh. Yeah. Ok. Non. Ok. Ok. Oh ouais, je me pose la même question, mon frère. Waouh, attendez, je suis concentré. Ah, quoi? Ça, c'est fort. Comment il a fait? Waouh.
Oh, je me permets. Non. Ok. Ok. Wow. Okay. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il n'en dit rien, il n'en dit rien, il n'en dit rien, il n'en dit rien encore. Ok. Je prends. Des impacts partout, la gueule. C'est une question de temps avant qu'ils détruisent tout. Oh waouh. Balèze. Oh. Oh wow. Oh wow, c'est si dur. Je sais pas si je vais y arriver, hein. On a réussi. Ada contre Goliath. Bon allez, une petite récompense les gars. C'est l'heure de dormir. Faites beaux rêves. Clope. Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Eh bien, chapitre terminé, direction, vous l'aurez compris, le château. Très bien, je suis très content, voilà, sachez-le, je suis extrêmement content, on est parti pour la suite. J'adore le château en plus. Oh.
Ada. T'avais sûrement pas prévu de revenir ici, hein? La vie est pleine d'imprévus, non? T'es fâché? Ok, t'es fâché. Bon, y a juste un petit truc que je dois faire avant de récupérer l'ambre. Avant? On n'est pas en train de négocier, Louis. Alors fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Écoute, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Et tu me connais, je suis un bon samaritain. Laisse-moi deviner, Léon ? Oui, c'est ça. Léon et cette jeune femme, ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc, il ralentit l'infection. Et je sais qu'il marche, je l'ai utilisé sur moi-même. Donc... Et en quoi ça peut m'intéresser ? Parce que toi aussi t'es infecté. Ça fait des années que j'étudie ça, Ada. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Tu dois déjà ressentir les effets, non ? Le médoc les arrêtera pendant un temps. Juste, fais-moi confiance. Tu as tout à gagner. Et rien à perdre. Ok, mais là, c'est ta dernière chance. On s'occupe de ça, et ensuite de l'ambre. Je vais appeler Léo. Ok. Bon. Hola, c'est Louis. Toujours dans le coin ? Je voulais rentrer, mais Ashley tenait absolument à visiter ce château. Tant mieux, parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre... Où est-ce qu'on va ? Eh bien... Disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao ! Désolé de t'avoir fait attendre. On y va ? Ok. Alors, déjà, on va tout recharger. Pistolage. Trop galant. On recharge. Uzi. On recharge. Sniper ! On recharge. Et là, je suppose que c'est fermé. On reviendra par ici un petit peu plus tard. J'ai vu quelque chose là, une petite lettre. Pas du tout, c'est un... Ok. Ok, ok. Et j'ai pas de quoi recharger par contre. On va tout fouiller. Hein. Vous me connaissez, moi je suis un fouilleur professionnel. Pas fou, hein. Pas fou ce qui nous reste en vrai, c'est chaud de fou. Donc c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir avec. Louis, je compte sur toi. Ok, on est où là? Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bon. On a fait les un tiers du jeu. Caché en bas. Mon matos devrait y être. Vu que c'est divisé en trois parties, vous l'aurez compris. Et les médicaments aussi. Ok. D'accord, ok, ok. Je vois où tu vas en venir. On va tout fouiller avant, on va tout prendre. Mine de rien, on s'en sort à chaque fois un peu ric-rac comme Rick-Ross, hein. On s'en sort un peu ric-rac comme Rick Ross. Oh, très bien ça. Ok, super, le sous-goy. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Ada ? De la bouffe pour parasites ? Qu'est-ce que je voulais faire, les amis ? Je voulais faire quelque chose d'important, c'est-à-dire crafter. Parce qu'on a des choses à faire. On a des choses à faire, on a des choses à dire. On va faire ça, déjà, pour commencer. Ensuite, on va faire... Waouh ! On va faire ça. Ouais, je suis un petit peu gourmand, mais enfin... Et là, j'ai pas de quoi. Ça, on va le fabriquer. On va faire comme ça. Et ça, on va le fabriquer. On va faire comme ça. On va se permettre de prendre la double herbe. Comme ça, on revient full HP. On va caler ça là. Et on va... caler ça là. Très bien. Allez, superbe. Chose qui brûle. On sera vite fixé. Ok. Quelque chose qui brûle. Qu'est-ce qui brûlait déjà dans l'aventure avec Léon ? Ada, ils sont là. Quoi ? Évidemment. Ah, démerde-toi. Attends, on était où, frérot ? Est-ce que ça vaut le coup que je monte ?
je ne comprends pas. Il se bat où? Hein? Il se battait en bas. Ok. Tu sais, ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'était ça. Regardez. Oh non. Wow. Allez. Au suivant. Ok. Désolé. Ok. On dégage. Très bien. J'étais sûr. Je vais pouvoir faire un dernier coup. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Louis, tu te bats contre quoi? Une chèvre ou... Allez, Louis, tu peux le faire. Hein. Louis. Louis, vas-y, tu peux le faire. Allez, allez, mon pote. Allez, Louis, c'est ton combat. Bon, attends, je l'aide un peu. Voilà, allez, Louis. Promis, je t'en vaudrai ça. Voilà, allez. On va voir combien de balles il faut. Et est-ce que notre compagnon peut réellement nous aider? Ou est-ce que ses balles font littéralement zéro dégâts? Merci. Bon. Ok, son arme fait des dégâts. C'est d'ailleurs la même arme que Léon. Ah, oh, j'ai été infecté. Léon, pardon, excusez-moi. Très bien. On a un trésor dehors. Waouh. C'est, je ne sais encore comment aller le chercher. Un petit peu plus tard, peut-être en dessous, non? D'ores et déjà dans la cave, ça me plaît, ça. Non, faut absolument qu'on récupère le médicament. Louis, laisse tomber. Louis. Ah. Sérieusement? Ok. Attendez, il y a quoi là-haut? Faut que je le sorte de là. Oh non. Faut que j'y aille. Tiens, fonce. C'est par là. Alors, Louis, Reviens ici. Respire pas la fumée. Ouais, mais là, il est mort, hein, les gars. Hein. J'ai perdu un petit peu de temps derrière. Ça va pas, ça, Louis. Hein. C'est quoi, je lui fais du bouche à bouche, au fait. Ouais, j'ai déconné, là, non? Non, ça va, ça va. Bois donc cette petite bouteille de vin. Si tu tiens à tout prix à mourir, attends au moins de m'avoir donné l'ombre. Y a plus rien. Tout a cramé. Pourquoi c'est si important pour toi? Y a des choses que je dois réparer. Mais maintenant, c'est impossible. Tout est foutu. Je peux plus rien faire pour eux. Ressaisis-toi, Louis. Refais-en. Tu en es capable, alors fais-le. C'est peut-être jouable. Tous les ingrédients sont là. Dans le château. Il me faut un peu de temps. Mais je te promets que t'auras l'ombre. D'accord, on y va. Ok. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Ça, on peut plus y aller. Est-ce que le trésor était par hasard pas dans le feu? Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Hein. Très bien. Par ici. Attends, j'arrive, bibiche. Là, je suis en train de me refaire, parce qu'à mon avis, on va affronter un boss. En fait, j'ai compris. Il nous régale en mune. Oh, waouh. C'est quoi ça au sol? C'est un projecteur. Il nous régale en mune. Pour que, après, on fasse un boss qui nous vide. Puis après, nous re-régaler.
Et ainsi va la vie, comme on dit. Ok, là on n'a plus rien. On trouve des trucs à base de 100 pesetas, les gars, c'est rien. Hein. Ça régale pas. Hein. Ça ne régale pas. Hé, hein. Je pense qu'il est encore en haut. Pour qui tu travailles, au fait? Vaut mieux que tu le saches pas. Crois-moi. Bah, tu peux bosser pour le diable, je m'en fous. Du moment que tu me fais sortir d'ici. Ok, le trésor est là. Le trésor est à cet étage. Je suppose encore un tout petit peu plus haut. Ok. Waouh. Je peux faire quelque chose. Il y a un trou là-bas. On va aller... Ah, il est là. Waouh, il est si beau. Il brille. Il brille. Voyez, je vais ouvrir là. Hein? Où est la clé? Eh merde. Je vais la faire tomber. Allez. Ok. Et donc, je comprends pas. On repart? Non, on va pas repartir là, mon frère. T'as quoi en tête là? Vas-y. Non, mais t'abuses. Non, mais frérot! Vraiment, y'a besoin de mon génie? Ok. C'est avec les moyens du bord. Mais ça devrait marcher. Ada, trouve ces ingrédients. Et alors peut-être que je pourrais refaire le médoc. On a peu de temps. Vas-y, trouve-les. Moi, je vais chercher l'arbre. On croise les doigts. Ok. Dans l'atelier de reliure, encre rouge, bouteille dorée dans la salle des trésors et le papillon bleu dans la salle de collection. Les minéraux contenus dans l'encre, la levure dans la bouteille, la substance dans les écailles, des ailes du papillon. Chacun de ces éléments possède les propriétés dont j'ai besoin pour fabriquer l'inhibiteur. En extrayant les ingrédients et en les mélangeant avec des produits chimiques que j'ai sous la main, ça devrait marcher. On se sépare ici. Bonne chance. Là, y'a rien là. Et là, y'a rien non plus. Ah, mais on est revenu. Oh, Sugoi. Ok, ok. Uri, uri, uri. Donc là, on est d'accord, je suis pas fou. Y'a pas de quoi save. Superbe. Ok, d'abord l'atelier de reliure. Allez, j'ai plus de couteau, mais ça fait la faire. Ok. Ok. Attends. Oh, il m'a fait peur. Un raton laveur. Raccoon, ça doit être mon destin. J'ai quelques nouveautés en stock. Vas-y, régale. Bienvenue. T'as quoi, mon frère? Rien pour toi, mon ami. Des porte-bonheur, très bien. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le Red Nine. Sois vite fait, ma chère. Ah, c'est le meilleur des pistolets, les potes. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Ouais. On va le vendre. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tour. On va le vendre. Rien à péter du Punisher. Une affaire bien conclue. Je pensais vraiment pas que je pouvais l'avoir. Étrangère. Ton arme sera encore plus classe avec ça dessus. Ok. Et là, on va vendre un petit collier. Barre. Une affaire bien conclue. Et j'ai des trésors, mais on les gardera pour un petit peu plus tard. Puissance. On commence à bien cerner tes préférences, étrangère. Okay. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Les amis, les amis, on est incroyablement bien. Regardez ce qui va se passer. Hop, élément Rennes 9, superbe. Passe de temps en temps voir ce que j'ai en main. Ouais, ça va être beaucoup mieux. On n'a pas le viseur laser, mais c'est pas grave en vrai. Et ça, je peux le revendre. Ben oui, je peux Bienvenue. Le revendre.
J'ai réussi Allez, à mettre on va le revendre et on va se lâcher là. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Il faut équiper le Punisher. C'est un plaisir de faire affaire. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits spinels. Regardez. Ça peut être pas mal, ça. Bonne intuition. Ça peut être pas mal. Ensuite, on va dans les trésors, vous l'aurez compris. On va sertir, vous l'aurez compris. Et là, le meilleur, c'est tout simplement le duo, en fait. Voilà. Boum. Et comme ça, on peut le revendre immédiatement. Et on s'est régalé. Allez, 15 000. Bien conclu. 15 000. Modifié. Le pistolet. Ah. Ah, pas encore. Tes armes sont entre de bonnes mains. C'est un travail qui demande de la finesse. C'est pas grave, on est bien. Merci. Passe de temps en temps voir Hop, ce que j'ai en On est très très bien. Les amis, on va s'arrêter là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, tout le monde. Bye bye.